Et yo tout le monde, c'est Tiob. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Crusader Kings 3, dans lequel nous incarnons France, l'Empire, que dis-je, l'Empire français, qui s'étend de la péninsule ibérique à la pointe de l'Italie jusqu'aux terres profondes des frontières hongroises. Mais encore au nord de l'Écosse. Ah oui, j'avais commencé une revendication sur le duché de Bourgogne, le royaume de Bourgogne, au choix. Oh, c'est pareil, ils sont pas très très forts, non? Et nous levions nos armées. Pour ce faire, on avait demandé, oui, un coup de main de la part de notre voisin germain, notre cousin germain. Attends, c'est mon cousin, je rigole. C'est pas mon cousin, dommage. Ah, ça pourrait être très drôle. Votre fille. Mon beau-frère germain. Non, mon beau-fils germain. Oui, non, mais je préfère, parce que mon beau-frère germain, là. D'ailleurs, c'est qui, ça? Ah, oui, Evie, merci. Tu m'as beaucoup servi là. Je t'en remercie grandement. Excuse-moi, je replace le micro. Il est mal foutu. Voilà. Le rétablissement. Je suis content d'aller de nouveau bien. Vous avez perdu le très malade. Ouais, ils s'attendent à. Ouais. C'est je suis pas illimité moi en nombre de vassaux pas forcément très très simple. Je vais aller choper les baronnies qu'il y a pas loin. Ah ouais, ça me demande de prendre que ça. Ouais, allez, on va prendre tout ce qui est là et Utrecht. Ma fille, encore! Eh ben, décidément. Qui c'est que j'ai fait naître? Moi, je sais même plus à force. J'en ai eu tellement des gamines, là. Je vais l'appeler Salwa. Puis-je vous devenir fort et sage, ma fille? Ça fait une petite différence d'âge, en hein, 89 ans. Ouais. Ils auront pas connu leur frère, quoi. Leur frère qui est mort il y a. Leur frère qui est mort il y a. Attends, quoi. Oh, juste 17 ans. Ouais. Non, mais t'inquiète, c'est. Voyons voir. Est-ce que je peux faire des constructions, des trucs du genre là pendant que j'y suis? Parce que bon, il se passe rien d'intéressant. Je sais pas pourquoi il arrive pas à lever ses troupes, lui. Chronique. Ah oui, pour le compte de jeu individuel. Oula, il se passe des choses là. Julien est adulte. Bien joué, mon petit Julien. Alors, tu es équilibré un peu partout, toi. Tu lâches. Tu es honnête. Paranoïaque. Reclus. Ah bah, décidément. Vas-y, non, ça a pas été rose tous les jours, mon ami. Hein. Tu es très pieux. Un marchandeur convenable. Très bien, très bien. Je pense que tu es quelqu'un très vieux. Raison, ce personnage est presque entièrement dépourvu de rats. Libérer les rats. Des rats, ah oui. Pratique le commerce. Oh, bien. T'as pas trop de risque de tomber malade, ça j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Fornicateur. On s'en fout. Accordez mon pardon. Voilà. Moi j'ai quoi?
Un lot vocal, pardonné, déterminé. Les pieds sur terre, bonus santé moyen, oui. Coup de création de théorie, contemplation. Bah. Attends. La reine Iva, c'est qui ça, la reine Iva? C'est rien, hein. Qui es-tu? Voilà, je la suis, ils se mettent bien. Hein. Iva. Vraiment, c'est qui ça? Iva l'ivrogne. Elle s'est alliée avec qui celle-là? Elle avait une Iva de Valachi. Mais c'est ma petite fille! Wesh! Pardon? Pardon? Ah ouais, tu veux la jouer comme ça, toi? Oh, oui, d'accord, t'es comme ça. Attends. Arrière-petit-fils. Arrière-petite-fille. Toi, tu feras attention parce que... Moi, j'en connais un. Qui pourrait vite prendre ta place. Hein. Ouais. Je te garde à l'œil. Oh merde, par contre j'ai des frontières communes. Oh. Oh merde. Attends, comment elle a mis pas de... Oh merde. Bon, après je suis allé avec la Grande Moravie, je suis allé avec la Germanie, ils vont se débrouiller. Il faudra avancer toi. 4000 là. Vous êtes 6000 pour prendre une baronnie les gars. Ok. Négociation défensive. Opinion d'un dirigeant indépendant plus 15. On va proposer une alliance au mariage. Allez, c'est parti. De toute façon, je vais partir sur l'atout diplomate. Et surtout faussaire accompli, je crois, non? Fabriquer une revendication comptable plus 20-75%. Dérouille le mariage sanglant. Célébration grandiose de l'union d'un couple. Cependant, il ne s'agit pas d'une simple cérémonie de mariage, mais d'une démonstration publique d'influence et d'un événement social où la noblesse se réunit pour pratiquer les arts de la diplomatie, de la séduction et du meurtre. Ou de partager un verre avec des amis. J'ai jamais essayé ça, je vais voir ce que ça pourrait donner si et je vis assez longtemps pour le découvrir. Mon héritier, c'est mon petit-fils, 41 ans. En attendant, j'aurais déjà survécu à 6 de... 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. 5 de mes gamins. C'est pas magnifique tout ça. Après tout, n'est-ce pas l'objectif de la vie? Ça pourrait être très très bien dans le let's play, faut que je le note ça. Ça c'est vraiment un gars. Fils, votre petit-fils, arrière-petit-fils, ok, blablabla. Ouais, ça se prend tout seul en plus, tout ça, là, ça se prend... Comment ça se démolit, oh, tranquillement, tout ça. C'est ce qu'on l'a. Et si vous ne l'avez pas, Astérix, Mission Cléopâtre. Ah, d'ailleurs, j'ai vu quoi? Ah, j'ai vu qui... Il va ressortir au cinéma en 4K. J'ai presque envie de le dire. Bon, je pense pas, mais
Ça m'étonnerait pas plus que ça si ça le fait. Que ça fera plus de sorties que. Ou que ce sera bien mieux accueilli que. Le dernier, là. Je sais plus où est-ce qu'il est. Où ils sont en Chine. Bref. J'ai dit un doc vulgaire pendant de nombreuses lunes qui est tu. Je sais pas qui c'est. Où est-ce qu'il est, toi? Oh! Oh, mais c'est très bien ça! Impressionnant, envoyez mes salutations! Tu veux pas devenir mon vassal, toi? Moi, je demande. Ok, zo. Faction contre moi dissoute. Hey, est-ce que, par pur hasard, prince héritier, proposer la tutelle? Moi? Alors ça, si ça marche, ce serait génial. Excellent! Nous sommes heureux d'avoir accepté votre projet d'éducation, une noble éducation pour un noble d'esprit. En effet. Projet d'éducation, je l'aime beaucoup. Quand ça va peut-être me permettre de vassaliser un pays à côté. Non, je vais pas dire non. Hein. Tu es confiant, ça me va. Contre le prince Iwer machin là. M'en fous. Je crois que c'était mon gosse, non? Mes gamins, mes petits gamins, j'en sais rien. Ou un inconnu au choix. Ça c'est pris, on va aller, non lui il y va tout seul, on va aller à Baronnie d'Amsterdam, on va aller, voilà, Amsterdam quoi. On va aller, comment dire, étudier les plantes locales. Ce qui paraît, j'aime beaucoup les plantes, moi, en tant que roi, là. Y'a pas un truc comme ça, là, herboriste? Je suis sûr que j'ai un truc herboriste, en plus, quelque part. Jardinier! Herboriste, allez! C'est tout ce qu'il y a à savoir sur les jardins et les plantes. Ce personnage est très compétent en ce qui concerne les herbes, la botanique, et les pratiques médicales liées, liées aux plantes. Ouais. Y a de bonnes raisons d'aller à Amsterdam. Ça me dit bien ça. Lui du coup il a pas pris Middleborough. On va l'envoyer. Bon. On prend des villes mais on n'a pas de résistance en face donc bon, on s'ennuie un peu. On va même faire tomber la capitale là. On a une Gueld. Je fais emprisonner là. Oh bah la reine quand même, ouais, hein. L'invité de la reine, merde. J'ai oublié encore. Dommage. Stockholm. Les prisonniers peuvent être rançonnés, m'intéresse pas. Un gendarme, une faction du peuple. Le comté de tuer. Enfin, un gendarme, une faction du peuple catholique. Comment ça, bref. Voilà. Acceptation 82%, mais non. Oh la vache. Contrôle agaçant. C'est quoi ton problème? Ah c'est lui, c'est un incapable, c'est ça? Contrôle 5, ah ouais non mais... Impôt coton 4... What, mais attends, mais c'est quoi son... Je peux pas voir son contrat vassal lui, son contrat vassal lui, 80 euros.
Non, parce que bon, quand même, il abuse peut-être un peu, lui. Il faut se méfier de tout ça. Hein. Vache, non, mais enfin, faut quand même. Les Wizigo. Bon. Bah on va conquérir toute leur terre apparemment. Du nord au sud. Ils sont contre le Jarl Ragnar. De frise. Ah oui. Ouais, mais. Je serais pas arrivé à temps, dommage. Demandez à votre chef de voir des revendications. Toujours pas de royaume, hein. Bon, ça m'intéresse pas. Marchand de semences. Petit bonus de santé. On va prendre. On est vieux, on n'oublie pas. Hein. On a 90 balais bientôt. On a 90 balais. Donc, si on peut avoir un petit bonus de santé de ci, de là, je vais pas dire non. Siège réussi. Allez, on continue. Il y a une petite baronnie encore à aller choper là-bas. Un petit fils était blessé, la blessure est profonde et je crains. Ah bah non! Mon arrière-petit-fils, quoi, il va clamer sa maman à 30 ans. C'est dingue, ça. Vraiment pas de peau. Oula, c'est le feu ici, hein. Non, ça s'amuse bien, hein. Ah bah là-bas aussi, ça s'amuse bien. Ça doit être moi, commandant, moi, ouais. Enfin, vous, moi, mais bon, ouais. On a deux sièges de bientôt terminés. On a. Oh, on a fait un bon prisonnier. Toi, tu vas venir. Bah, tu vas aller à Besançon. On a fait un autre siège. Oh, bah, ça va partir tout seul, là. 4 bas, 100%. Allez, hop. Bon, déjà, ça, on va. J'ai eu quelques bons prisonniers apparemment. On va appuyer nos demandes. Regardez-moi ça. La Bourgogne là. Le roi Julien a obtenu le royaume de Bourgogne. On a le royaume de Frise, mais qui est que dalle. Je me demande si je pourrais même pas le récupérer à un moment ou un autre. Alors, oui. Vous pouvez créer. Empire de France. C'est pas encore fait. J'avais que des rois. Mais j'ai le titre Empire de France. Pourquoi je peux recréer le titre Empire de France? Hein? Vous obtenez des casus belli de jure. Les vassaux pourraient vous considérer comme leur seigneur liege légitime. On gagne du prestige. Oui, un vassal pourrait vous envier le titre, m'en fous. Si votre pays a une loi de succession et plus héritier du pays, cela affectera qui hérite. Oui. Alors, on va créer le titre. Déjà. Ajouter des lois. Et j'ai presque en. Ah putain. C'est quoi ça? Les dirigeants d'un rang de roi ou empereur peuvent
préférez prendre la décision, adopter un type de succession à la place s'ils ont accès à une succession culturelle élective. Les agents et les vassaux au-dessus du rang du baron peuvent désigner un héritier. Le taniste, parmi les vassaux, auront tendance à favoriser les parents les plus âgés, éloignés. Les parents les plus âgés, éloignés. Putain. Les vassaux auront tendance à favoriser les parents plus âgés, éloignés que la famille proche. C'est pas français, ça. Élection scandinave. Élection féodale. Les dirigeants et tous les vassaux directs de jure d'un ou deux rangs en dessous du titre peuvent désigner un héritier du titre parmi eux et la famille proche du dirigeant. Élection saxonne. Tous les titres de jure. Ah. Je peux faire que ça de toute façon. Mais... Ah! Comment ça, à l'intérieur, j'ai que le royaume de Bourgogne? Non, mais il y a un délire là encore. Non, 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 non. C'était ça. Donc du coup, on a deux royaumes de France. Ah, c'est sympa, j'aime beaucoup le principe en fait. Je suis... Non, non, bah je suis que empereur de France pour le coup, mais j'ai pu le recréer. Je sais pas ce que ça fait ça. Je pourrais commander un artefact aussi. Tiens, tu sais quoi, je vais recommander une épopée familiale. Je veux le meilleur épopée possible. Je vais vouloir un... Est-ce qu'il manque un artefact? Non. En insignes royaux, peut-être qu'il se fait vieux, engager un artisan local. Et ça, je sais pas du tout. Y avoir des effets secondaires imprévus. T'avais quoi? On a 90 balais, je crois qu'on n'est pas à ça près. Oh, je vais le regretter. Je sais pas pourquoi je vais le regretter. Ah. Ah. T'avais quoi? Je vais juste me renseigner vite fait là. C'est quoi la communion mystique? TK3, Communion, Mystical Communion. J'ai 50% de chance d'avoir moins d'opinions. Avec le chapelain, machin, nia. Est-ce que ça me donne de la... 300 learning, la stat d'expérience. Bien sûr, hein, bien sûr. C'est pas ouf, hein. Non. Franchement, ça vaut pas le coup, de ce que je vois. C'est ça? Inspirer l'opus francilinum. Ah ouais. Culture florissante pendant 150 ans. Ah oui. Découvert prévu.
Ouais, bon, c'est une... ça va venir. Oula! Plus tard, il me faut de la chevalerie et les moulins à vent. Oh, les moulins à vent, ça va être cool ça. Allez! Continuons. Inspiration, quelqu'un impressionné. Mais c'est qui? Je sais même pas qui c'est. Pourquoi mon vassal? Enfin. Non! Moi, je m'en fous les autres. Mais c'est quelle idée? Oh là là. Royaume de Frise! Bon, ils peuvent toujours pas. Nos revendications. Forcément, nos revendications. Lui, en guerre avec qui hein? Se défend contre machin aux longues jambes. Ah oui. Ouais, donc, ah bah zut. J'ai perdu mon bouffon de la cour. Prenez cet or, voyons. Attends, j'ai plein de prisonniers aussi. Bouffon de la cour. Moyen, c'est toujours ça de prix. Des prisonniers, oui. On va rançonner tous ceux qu'on peut déjà. Attends. Alors on va rançonner, mais. Qu'est-ce que vous me voulez? Oui, je sais, j'ai des tuteurs, des trucs, machin. Si j'ai des prisonniers qui font partie. Ok, bon, lui, ouais, ils sont tous sans maison, là, vraiment? Ah non, c'est une princesse, elle. Attends, c'est une princesse sans. Ah non, mais. Oh. Ouais, bah, pas ouf, hein, tout ça. Ah! Strasbourg-Bologne, rien à foutre. On va rançonner en masse. Voilà. Tac. Je rançonne. Nul. Toi. Va voir mon maître caravanier. C'est mon mini-moi. Oh, bah oui, va avec ma fille, toi. Va voir ta sœur. Julien, tu peux te marier, je le sais. Valence, le sud de Valence. Oh mais non, c'est le sud, m'en fous, j'ai déjà tout ce qu'il me faut. Berry, oh, le sud de Berry, ouais, c'est un duché, on s'en fout. Earldom de machin, de trucs, de bidule. Oh. Bon. Grec, grec, grec. Empire byzantin! On va te marier avec elle! Alors, mon ami, tu vas te marier très très vite, toi? Voilà. Je vais me falloir des revendications sur l'Empire byzantin, moi je vous le dis. Allez très très vite aller, aller choper ça un jour. Comptez dur. Allez compter, m'en fous. Sur la Oulania. Ah non, ça c'est pas où ça. Ah oh, mais c'est encore pas ouf ça. Surtout que oui, il y a une chefferie en fait. Vas-y, aucun des deux. Ah, pardon. Mais qu'est-ce que c'est? J'ai chefferie parce que j'ai pas le choix. C'était très nul. J'étais sur l'Empire byzantin. Juste voir. Conquête du duché. Ouais, bon. Des comtés, des trucs, c'est pourri, c'est pas grave. Ouais, on va voir courtisan. Qu'est-ce que tu émiras? C'est où? Ouais, bon, c'est toujours pareil, ça. Lui, c'est le vieux, là. Ça fait des années qu'il est là, qui essaie, qui attend, mais des années que je lui dis non. Duché de Moret. Intéressant. Ok, bon c'est pas mal en vrai. Gain de tyrannie moins 10%, c'est bien. C'est ma femme mais qui a pas revendiqué ce truc. Bon bah on va chercher ailleurs hein. Une chefferie.
Ah! J'aperçois ma femme Adela en train de bavarder avec enthousiasme avec Honnête. Elle énumère des suggestions pour son insigne royal et mon orfèvre dissimule avec à peine son mépris, visiblement agacé par son ingérence. C'est une probabilité d'être meilleur, de toute façon on a déjà un truc bien, on va voir si ça en arrive à venir. Moindre qualité, bon bah ma femme pas dit grand chose. On peut aller alors attention, choper le territoire de la chefesse Nuala, et pas tout simplement aller choper Nuala. La chefesse Nuala, ouais. Après je vais encore... Bref. Courtisan. Ouais, il y en a quelques qui sont plus proches de... Je vais faire ça. Non, mais il y en a quelques qui sont... Hop là. Ouais. Ah bah, ça va pas lever grand chose, hein. Là, il levait tous les hommes. Je me connais ça, ça a bidé. Bah. Qu'est-ce que j'ai foutu? Qu'est-ce que j'ai foutu encore moi? Je suis de Bulgarie, refus. Bah, refuse ma gamine. Non mais sinon mes troupes sont où? Ah! Attends, quoi? Oh merde. Bah non, enfin disperser tout les gars, disperser. Hein. Voilà, tout levé. Hein. Je sais pas, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé, c'est pas très grave. Là ça va mettre 20 ans à se lever forcément en plus. Qu'ils étaient loin. Hé Louise, tu peux avoir un petit tuteur, mon maître caravanier. Non. Lui est très équilibré. Mon antiquaire, ouais, tu m'étonnes. Allez. Éduque ma gosse. Ah, ça y est. Bon, il y a du monde qui arrive là. Ils sont formés contre vous. Ils sont insulaires galloises. M'en fous. Il y a du monde là. Hein. Et oh. C'est foire à l'avance en Irlande, hein. C'est génial. En plus, c'est contre le Danemark. Parfait, chassez-les. Ça me permettra de vous soumettre plus vite. qui es-tu? Ok, toi. Allez là-bas les mecs. J'en veux. 1, 2, 3. J'en veux 3 qui restent. Il y a même une baronnie ici, non? Rien, si, voilà. Tribu unie. Tribu de Nice, pardon. Dans la vallée d'Inis. La la la. Non, c'est ça. Elle gagne facilement contre des barbares. Pas monde. Récupérer un vassal, les vassaux, à forcer les vassalisations. Oh, on est bientôt une dynastie bientôt connue. Hein, ce train-là. Alors, attends ton copain, toi, parce que vous êtes trop rapide là, les mecs. Ouais, c'est pour ça, c'est moi qui le dirige, donc on est un peu trop rapide. Attends ton copain, et ensuite, on suit dans la tronche. Voilà, je te rappelle que tu es un peu âgé quand même. Et qu'il faudrait pas déconner en faisant n'importe quoi. Prouesse, combien de prouesses là? Prestige. Enquête par mois, renommée. Oh, attends. Ah, mais c'est clairement mieux ça. Allez. Oh. Chronique de propagande, double chronique de propagande. C'est pas mal, allez. Bonjour, comment allez-vous? Qui es-tu? Tu es un commandant, ok, très bien. On va gagner tranquillou. Eh, hey, ils se défendent bien, hein.
Et dans la mouise, mais il défend très bien, hein. Bon, retraite. Quelques blessés, c'est pas très très grave. Ah, on n'est plus en prison. Ah, un homme libéré. Une amie d'invité. Tu es une guérisseuse qualifiée. Ah, bah tiens, je penserai à toi. Ouais, je te fais pas ton âge, toi, dis. Tu connais des produits sorcières. Ça me met bien, ça. Allez, on va essayer de les poursuivre un peu. C'est vrai que ce sont des marées, hein. Il y a vraiment beaucoup de marées. Hein. Moi, il y en avait beaucoup à l'époque. Je sais pas s'il y en a. Oh bah. Alors lui, il est téméraire. Alors lui, il est très téméraire. Vache. T'es sûr de ta canette, hein? Compris sa connerie, elle se dit oh merde, oula. Capturer le chevalier du roi. Hop, on va retourner par là. Là, quand j'aurai pris sa capitale, je pense que ce sera presque bon. Après, je suis notre non orthodoxe, comment ça? Attention toi. J'étais à l'œil. Non orthodoxe. Bah c'est normal, on est pas orthodoxe, on est catholique. Ah mais. Ah. C'est bon, on a les otages qu'il faut. On a plus que nos exigences. Voilà. C'est bien. Voyons voir, voyons voir, voyons voir, voyons voir, voyons voir. J'ai pas de nouveau prisonnier. Vas-y, on va libérer tout le monde là. Ils nous servent à rien tout ça. J'espère qu'en plus ils sont nuls. Oh! C'est les rats des honorants, bon pas de chance. En vrai il y avait de bonnes stats. Ah il veut pas lui. C'est quoi ça? Défenseur flexible, ah oui d'accord. Allez les mecs, acceptez, y'a pas que ça à foutre. Oups, je sais pas qui je voulais. Tac. Et c'est bon? Bon bah ceux qui ont pas accepté. Quoi ça? Ouais pauvre. Encore dans les... La dernière offre de ma connaissance, Multicef fait fuir à la cour. Comme le hasard est une maîtresse cruelle, pour nous laisser dans cet enfer de mortels, seuls, démunis, sans cet homme dévoué, à nous demander quand le supplice va s'arrêter. Pas trop quoi en penser. Mais c'est qui lui? Je sais même pas qui c'est. C'est même pas mon pote. Ah si!
crois que j'ai son gosse chez moi. Je vois que c'est vraiment sincère. Allez. Bon les mecs, vous avez pas voulu au bout d'un moment. Hop, chut, allez, ciao. Voilà. Vous n'avez pas voulu que j'ai d'hameçon sur vous, bah au bout d'un moment, c'est ciao. Mais hein, pourquoi j'ai dit ça? C'est pas ouf ça. C'est vraiment pas ouf ça. Aïe aïe. Bon, on continue. Vassalisation forcée. Lui aussi, hein, je crois, royaume de Danlow. Vassalisé, hein, non? Regardez, vassalisation forcée. Oh, oui. Comment ça, non? Le roi Aegon devient vassal. Ah oui, non, mais en plus, il a vraiment plus de terre, lui. C'est qui? Il est où? Enfin... Ah bah oui, il est que là. Invitation à la chasse. Attends un peu. On va faire une vassalisation forcée du roi. Ça, on aura les terres du... d'Angleterre. On aura les terres d'Angle... Ouais, bref. On va tout lever à Ripon. Non, à Pokington. Bien. Hop, déplacer le point de ralliement. Hop, tout. Imagine, tu vois ça, toi, t'es pas serein. Allez, direction là, les gars. On s'en fout, on s'en fout. Tu m'avais invité à une partie de chasse, toi? Elle est où ta partie de chasse? Ah, la vache. Ah, pourquoi? Ah, je peux plus. Oh. Ah non, je peux plus aller? Dommage. Bon. Et si on faisait un festin à la place? Ah, merde. Sinon, tu peux pas aller te composer pour un jour hein? Non, il veut pas. Non, sérieusement. Pas tant que ça, hein. Ah ouais. Ouais, mais c'est des captifs aussi. La grande majorité, c'est des captifs. Pas ma faute. Ça devrait pas compter, ça. Pas d'accord. T'as rejoint ma cour. Sympathique, hein, ouais. Ouais, bon, t'es moyen, toi. Oh. Oh. Ah. Comment ça, mon ref? Comment ça, t'as repris la culture occitane, toi? Je suis pas d'accord. Un acte de tyrannie. Mais ça part petit à petit la tyrannie, non? Je sais même pas où est-ce qu'elle est stockée. Est-ce que je peux voir tout ça, la tyrannie, etc. Je sais pas, hein. Fais attention à toi en tout cas. Oh, oula. Il y a du monde par là, dis. Comment ça se fait? Ah d'accord, ouais, la Suède est venue l'aider. Rien à foutre. Rien à foutre. Y'a rien ici, ça va, vraiment, y'a rien à prendre. Hein. Bon, bah on va aller là. Et là. Y'a pas un bout de terre quelque part paumé là? Ouais, là, de Danlow. Ouais, ah mais voilà, si, il y a une baronnie ici. Ah mais non, mais c'est moi ça. Bon, on me fait un siège par contre. Quoi déjà? Ils sont combien? Ils sont 5000, 6000 à tout péter. Je vais les choper, c'est pas très très grave. Chub est adulte, il en 18, ombre insaisissable, oh bien joué, enfant charmeur, compatissant, paranoïaque et zélé.
grandissent si vite. Voilà. Ils grandissent si vite. Moi aussi, je vieillis si vite. Bordel. J'ai perdu mon maître de chasse. Toi, tu peux te marier. Ah, à qui vas-tu te marier? Nous. Bégaiement. On va éviter. Je vais vraiment essayer de revendiquer l'Empire byzantin d'une manière ou d'une autre. Allez, marie-toi. Ah, on a tout disponible. Ah, ambassade. Puissance du complot visant à apprendre la langue plus de 50%. Chaque alliance octroie plus 1. Oh, okay. Bon, c'est accepté. Hop, c'est débloqué. On m'en fout de ça. Oh, quoique. Vas-y, attends, je vais lui envoyer du monde sur la tronche. On va lui envoyer tout le monde sur la tronche, là. Salut, salut. Bon alors, skip la Suède, t'es venu l'aider, là? Toi et moi, on va rester ici et réfléchir un peu. Enfin, surtout toi, tu vas rester ici et réfléchir un peu. Hop là, de l'aide, de l'aide, de l'aide, de l'aide. Excellent! Bien sûr, je trouve ça fort excellent également. Fort excellent, je sais pas si... Bon, par contre, ils vont mettre 20 ans à venir. Là, ils ont un petit tour à faire, là. Autant dire qu'ils sont pas arrivés, hein. Regardez. Là, il va passer par l'Italie. Là, il va remonter toute la Germanie. Oh, non, pas arrivé. Il est à peine parti qu'il est pas arrivé, le pauvre. Hein. Qu'est-ce que t'as fait, fornicateur? Oui, oui. Il me faut un tuteur pour ma gamine. Élise. Oh oui, Noémie, allez hop. Noémie, t'es badass, toi. Hein. Franchement, Noémie, t'es badass. Hein. Regarde-moi tes stats. T'as plus de prouesses que moi, c'est fou. Hein. Louise. Partial. Bon. Réussi à le convertir, dommage. On pourra pas le vassaliser. Par contre, toi, tu crois que je te vois pas là? Vraiment? Là, qu'est-ce qu'il va faire? Là, il va essayer d'intercepter ma troupe. Enfin, oui. Encore y amener du monde. Là, il a vu. Oh la vache, mais ils sont rapides! Là, il a vu quelqu'un tout seul, il s'est dit hop, allez, on va y aller. Ah, putain, il est un peu trop rapide, lui, mon go. Eh, sinon, tu bouges pas. Putain, ils vont toujours pas. Ouais. Ça va, je devrais arriver à temps. Je suis pas du tout arrivé à temps. Si. Ça va être temps d'axe. Attends, j'ai fini un siège? Non, j'ai commencé un siège. Et lui, il est toujours en train de glander. Bah ouais, je suis arrivé trop tard. Putain, on s'est reculé. 3000. C'est pas légèrement abusé, le nombre de pertes. Il a eu la tête tranchée. Ah, c'est con, ça. Un traître à la cour. Comment ça? Noémie. Enfin. Noémie. Qu'est-ce que tu fais, Noémie? Oh, t'abuses un peu là, non? J'ai fait un compliment, c'est comme ça que tu me remercies? Je suis très déçu de ton attitude. Déjà que là, j'ai subi une défaite en supériorité numérique. Mon conseiller perd de vieillesse, du coup. Oui, c'est pas grave.
Bon, qui est bon là-dedans? Ouais, moi ça devrait suffire. Même. Non, mais tu m'as beaucoup déçu là. Je suis fortement déçu. Là. Le fils du roi est en otage. Ok, très bien. Bon, sinon, vous bougez le fiac un jour ou comment ça se passe? Parce que bon, ça rassemble 6 jours, c'est bon. Ah bah lui il se barre du coup. Ouais. Tu vas pas te barrer très loin mon ami, je vais venir te retrouver vite. Là, il va finir en tôle. Son gosse il va avoir droit à une petite reconversion forcée, tu vas voir. Alors. Et mon château est là. Par contre, attends, comment ça tribu? Il serait temps de d'évoluer un jour. Hein. Tribu, non mais n'importe quoi. Eux, ils ont fui, quoi qu'ils sont. Il faut absolument que j'aille récupérer. Non, mais attends. Ah, ils vont prendre la mer pour aller chez moi. Oh, quelle bande de pays. Ouais. On va y aller aussi. Attends, qu'est-ce qu'il faut? Attends. Qu'est-ce qu'il faut? Ah, d'accord, ils vont là. Eh ben, allez là, les mecs. Il a des troupes là. J'arrive. On est un peu lent là, il y a beaucoup de marée dans le coin, c'est terrible. Et lui, il prend le bateau, c'est rapide. On dort à votre chef de foi, bien sûr. On va pas se passer, on va pas dire non, un peu d'or. Ah ouais, mais là, ils avancent mais comme des tortues, c'est terrible. J'ai gagné facilement, ouais, je sais pas pourquoi j'ai un doute sur ce que tu racontes là. Là j'ai comme un grand doute, tu vois, franchement. Trois chevaliers, il a peut-être tranché, mais attends, comment ça? Alors, poste vacant au conseil, un maréchal, bah ce sera le Alvar. Vous autres, vous êtes des brels au bout d'un moment. Non, juste avant que j'arrive. Vengeance! Attends, mais c'est quoi ces pertes? Pardon? Je suis en train de perdre! Je suis en train de perdre à 14 000 contre 3 000! C'est un délire! Non mais attends, mais... C'est un délire, je sais même pas comment je suis en train de perdre. Encore? C'est bon. Allez, encore? Allez, encore? Bon, ça va le faire ou comment ça se passe? Non, parce que bon, là, 14 000 contre 3 000. Perdre contre 4 000, allez, je comprends pas trop, là. J'ai des problèmes avec les maths, mais pas ce point-là, quoi. Oh, sérieusement... Non, mais ça se peut pas. Mais bien sûr que c'est pas possible. C'est terrible là, c'est terrible ça. Non mais non, bah non. Non, je suis pas d'accord. Non. Pas comme ça. Bon, les mercenaires, ça va être la même chose ou vous allez réussir à gagner? N'importe quoi, n'importe quoi. Alors là, je veux bien, mais au bout d'un moment... Oui, c'est bien, apprenez ma langue. Non, ils vont pas être consommés, ils vont être...
converti ou crucifié. Crucidé. Au choix, mais ils vont pas être rançonnés. Toi, tu vas là. Qui es-tu? Oui. Convertis-toi, il n'y a pas de problème. Hop là. Ouais, du coup, on a même pas pris la baronnie, quoi. Oh, terrible. Là, c'est la galère, genre, c'est vraiment la galère pour le prendre, lui. Hein. C'est terrible. Louis a pris le haut allemand, bien joué. Bon. C'est une légende, lui, ou ça se passe comment, sérieusement, enfin. Rien stratagème. Ah ouais, d'accord. Les auteurs. Bon, Reload est mort. Notre ami a péri. Ah. Ami, je venais juste de me faire, quoi. Oui, bon. Hop, là, on va aller là. Récupérer les territoires qu'on avait commencé à prendre. Non, mais c'est fou, ça. C'est taré, ça. Mais comment ils peuvent être aussi forts? C'est pété, enfin, wow. Ils sont d'une puissance, je comprends pas. 14 000 contre 4 000. Non, non, c'est pas passé. Ben s'ils sont un peu plus forts, Donc ils m'ont attaqué, donc on avait l'avantage du terrain. Ils ont gagné. Hein. Ouais. Ah non, on s'est rencontrés, il n'y avait pas de... Qui es-tu, toi? Je peux rien faire, hein. Ouais, non, attends, c'était quoi, ça? Un truc que je connais pas. Saïd. Ok. Vouloir reprendre des terres, ah, j'ai vraiment perdu beaucoup de troupes en vrai. Bon, ils font le siège. Ils se reconstituent. Ils pourront pas. Là, normalement, ils devraient pas gagner s'ils viennent. Bon, après, j'ai déjà fait avoir une fois. Ça se passe bizarrement dans le coin. Je vais récupérer quelques troupes. On va dire la majorité de mes troupes. Et je vais aller défendre la baronnie que j'ai prise. Hein? J'ai encore une île du territoire, on peut créer. Duché de... C'est où ça? Ça se fait. Ok, bon bah créer titre. On a gagné des territoires par là. Ok, alors attends. Ok, c'est lui. Bah je vais t'accorder un deuxième titre. Duché de... C'était quoi ce truc? Ok, et royaume de Alba, on va l'usurper. Et je vais l'accorder à un de mes gosses si je peux, qui a rien. De mes filles, et ça c'est sûr. C'est ton roi là, votre arrière petit-fils. Oui, c'est un conte, mais il est vide un peu. Ouais, je m'en fous qu'il soit vide. Allez, je t'accorde ça. De l'angus, tiens, c'est comme le bœuf ça.
connais. Des tirs. Ah, j'ai pas vu. Oui. Oh, j'ai encore des vassaux dans le coin. Poste 20 ans, attends, non, bah, ils sont tous passés. Hein. Là, ça fait du renouveau. Allez, vas-y, en veux-tu, en voilà. Lui, il est nul, mais bon, il va pas être content parce qu'il est duc. Ok, j'ai pris une terre ici, on devrait gagner facilement. Là, avec les renforts, ça devrait passer, non, quand même. Il y a 91% en plus. Je m'en fous. Et là, avec le Danelaw, on sera vraiment bien. Ok, ça se tape. Il me fait mal encore. Hein. Heureusement, on est 15 000. Ça devrait le faire, non? Au bout d'un moment. Et on a moyen de capturer le roi, là. Bon, alors. On appuie nos exigences, donc. Roxanne devient notre vassal. On disperse tout. On va accepter l'alliance. On va créer le duché de Est Anglia. On va l'accorder à lui. Il saura mieux gérer. Alors toi déjà par contre, lui si tu fais une reconversion. Si tu acceptes, tu auras le duché. Hop là. Et je t'accorde le duché de Est Anglia. Il est où? Il est là. Ok, ok, ok. Déprisonner peut-être. Alors. Oui, on va transférer ce qu'il faut. Qu'est-il? Qu'est-il? Oui, non, c'est bon. Ouais, tu dis déjà. Ok. Et ensuite. Alors, mince. Hop, voilà. Et ensuite. Demander une revendication sur l'Irlande. J'implore la papauté. Obtient l'audabilité. Le Saint-Siège a approuvé les revendications sur cette famille, de cette famille sur l'Irlande, justifiant ainsi toute campagne militaire entamée par ses membres pour subjuguer les petits rois de l'île. Je vous implore, la papauté. Au désir d'étendre la domination sacrée de l'Église universelle aux attributs barbares d'Irlande est une cause pieuse et juste. En tant que telle, la Sainte Église romaine ordonne que vous preniez possession de cette île et que vous y exécutiez la volonté de Dieu. Si vous deviez, par malheur, passer de vie à trépas, avant la fin de cette campagne, ce mandat sacré s'étendra à vos successeurs légitimes, puisque la maison de Unio menait cette sainte entreprise. Préparez la flotte. Voilà. On sait ce qu'on va faire pendant les prochains épisodes. On a quelques royaumes à prendre, le Danemark, par exemple. Le Danemark, il... Il s'est fait bouffer. Ils sont où? Et elle est où la capitale du Danemark? Ah yes. Oh, il y a un sacré bordel là. Il y a plein de choses que je peux faire. Les revendications du... Non. Attends. S'emparer du comté dur. Non. Non, c'est lequel? Vassalisation forcée. Pourquoi je peux pas?
Trop de comté. Dommage. Les revendications du roi Hakon, ça ne fonctionne pas. Personne pour un comté, c'est de la merde. Conquérir le comté, c'est de la merde. Personne pour un duché. Ah bah super, on a deux. On va faire la revendication, hein. C'est tout pourri. Ah mais c'est un roi, faut pas déconner, il a déjà pas mal de trucs, lui, il a quoi? Lui, je veux dire. Le roi du Danelaw. Ah. Ouais, mais si, comme ça, il sera content. Je ferai ça. Et sinon, il y a ça. Proposer la vassalité. Oh, il est pas loin d'accepter. Juste pour la foi différente. Oh putain. Ah, super. Conquête ducale du comté. Ouais, waouh, super. Ouais. Bah, ça va pas être rapide hein, tout ça. Ah, Julien peut se marier. Ah mince, sa femme est morte. Ah, c'est con. Enfin, un autre canon. Ah, voilà, un pierre byzantin. Tiens, marie-toi avec sa sœur. Ah, beau. Allez, vas-y. Bon. Et ça? Vacillation forcée. Mais c'est très bien. Attends, mais ça, je peux pas faire la vacillation forcée? Trop de comté, trop de comté, là, tout de suite, trop de comté, gna 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 gna. Bon. Bien évidemment, on recrute tout ici. On se laisse ici pour l'épisode d'aujourd'hui. On a notre objectif, hein, la conquête du reste de l'Angleterre, apparemment. Voilà, on va être tranquille. Peut-être aller en Islande, histoire d'éviter de se faire piller tous les 3-4 matins aussi. Ça sera pour plus tard. En tout cas, je vous remercie à tous d'avoir suivi. Je vous propose de me retrouver très bientôt pour le prochain épisode, la conquête de l'Irlande. C'était Thiob. Ciao.